Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à me demander des détails sur comment faire son levain. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le pas à pas du levain. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer comment on fait son levain de lait pour faire de super bonnes viennoiseries. Alors, un levain, ça va être fait sur plusieurs jours. Le premier jour, on va mélanger 20 g de farine bio de préférence et complète, 20 g d'eau, et une petite cuillère de miel, ça va simplement l'aider à activer la fermentation. On mélange tout ça et on va laisser fermenter près d'une source de chaleur ou à température ambiante pendant au moins 24 heures. Et voilà la texture que vous devez obtenir. On lui donne un petit nom. Alors celui-là, il s'appellera Philippe. Je pose le couvercle dessus sans le fermer et je vais le laisser près du radiateur pendant au moins 24 heures. Deuxième jour, si tout se passe bien et qu'il y a assez de matière organique pour que ça lève et que ça fasse des bulles, que la fermentation commence, eh bien ça aura doublé de volume et vous aurez des petites bulles. À ce moment-là, vous pourrez le rafraîchir en lui mettant à peu près 5 g de farine et 5 g d'eau. Il faut bien le mélanger, l'aérer, pour récupérer une belle texture un peu pâteuse. Je pose le capuchon dessus et je le remets à côté du radiateur pendant au moins 24 heures. Et vous faites ça tous les jours. Vous allez mettre de plus en plus de farine et de plus en plus d'eau pour le nourrir et votre levain va augmenter en taille. Celui-là, par exemple, il a une semaine. Là, je vais mettre 20 bons grammes de farine et 20 bons grammes d'eau. Vous pouvez aussi vous fier à l'odeur. Si au début, vous ne voyez pas beaucoup de bulles, mais que vous avez une belle odeur de fermentation, ça veut dire que votre fermentation a commencé. Vous fermez et de nouveau à côté d'une source de chaleur. Et voilà Marguerite qui a bien grandi au bout de 2 semaines. Elle ne rentre plus dans son petit pot, du coup elle a un grand pot. Et maintenant, elle est prête à faire du pain. Alors pour 1 kg de farine, je mets 200 g de levain. Donc je vais peser mes 200 g de levain. Vous voyez ces belles bulles? Voilà pour faire mon pain. Et maintenant, je vais peser ce qu'il me reste de levain pour le rafraîchir et le nourrir. Il me reste 100 g de levain. Et je vais le rafraîchir avec 150 g de farine et 150 g d'eau. Et là, il va dormir au frigo toute la nuit. Alors, s'il n'a pas beaucoup d'activité et que vous ne voyez pas beaucoup de bulles ou pas beaucoup d'odeur de fermentation, laissez-le à côté d'une source de chaleur. Et vous pourrez comme ça jouer un petit peu avec la chaleur pour activer la fermentation ou alors justement la temporiser un petit peu. Pour conserver votre levain, déposez un film si vous n'avez pas de couvercle et n'oubliez pas de faire des petits trous pour qu'il puisse respirer. Voilà, au frigo. Et voilà, nous avons fini de réaliser notre levain de base qui sera notre levain mère. Grâce à ce levain mère, nous allons pouvoir réaliser d'autres levains comme le levain de lait qui nous servira à faire de la viennoiserie ou des croissants. Donc pour faire notre levain de lait, c'est très simple. On prend un petit peu de notre levain mère, donc de notre souche, et nous allons le rafraîchir avec de la farine et du lait. La différence principale entre un levain classique et un levain de lait, c'est qu'on va rafraîchir notre levain de lait avec du lait à la place de le rafraîchir avec de l'eau. Là, je vais mettre une bonne quinzaine de grammes de farine. Et une bonne quinzaine de grammes de lait entier. Même procédé que pour le levain de base, je mélange bien. Je lui mets un petit capuchon. Je lui trouve un petit nom. Celui-là, je l'avais déjà fait. Je l'appelle Huguette. Et après 24 heures, nous obtenons Huguette qui a reposé au frigo et qui a de jolies petites bulles. Et donc, je vais la rafraîchir avec 10 g de farine
et 10 g de lait. Le principe est toujours le même. Vous rafraîchirez tous les jours votre souche avec la même quantité d'eau que de farine, que ce soit avec du lait ou avec de l'eau. Alors le problème principal que vous allez pouvoir rencontrer, ce sera le problème de fermentation. C'est s'il n'a pas assez de bulles ou s'il n'est pas assez vivant. Dans ce cas-là, il faudra le nourrir plus ou moins et le mettre plus ou moins à côté d'une source de chaleur. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, à vraiment en prendre soin, à regarder comment il évolue et à faire en fonction de son évolution. Chaque levain est unique, il est vivant et la matière vivante va réagir plus ou moins différemment en fonction de la température, en fonction de votre farine, en fonction de quand est-ce que vous allez le mélanger. Donc faites-vous confiance. Alors cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à vous abonner. Maintenant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur un atelier croissant au levain de lait. À très vite !